Salut à tous et à toutes, ici TotoMega05 de la Pajam Production. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un petit tuto de comment monter sur l'avion de terminal. Donc je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos qui l'expliquent, mais bon j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une aussi. Donc je suis accompagné de Mani Colette, dont j'ai déjà fait des dédicaces dans mes deux dernières vidéos, donc je viens de terminer. Et je suis aussi accompagné de Overkill, donc dédicace à toi aussi hein. Et donc je vais lancer la partie. Donc je vais vous montrer la manière à deux, donc en étant avec le knife lunge, donc je vais vous montrer. Il y a aussi la manière tout seul, mais elle est plus compliquée, j'ai quand même essayé de la faire. Donc c'est parti. Donc terminal est pour, alors je préfère préciser quand même, c'est une map qui est tirée de Call of Duty Modern Warfare 2, donc qui était avant Modern Warfare 3, hein, donc j'ai fait le vidéo test de Modern Warfare 2, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et donc c'est une map qui tellement elle était appréciée des joueurs, et ben en fait ils ont décidé de la ressortir gratuitement sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc je vais vous c'est une vidéo pour vous montrer comment monter sur l'avion avec le knife lunge. Donc bonjour Overkill, tu m'excuses, je détruis ton radar. Voilà. Alors tu peux te placer ici s'il te plaît. Voilà, merci. Et donc pour le knife lunge, voilà, du premier coup. Alors en fait il faut, je vous explique la technique. J'explique la technique pour les gens qui savent pas. Il faut en fait donner un coup de couteau et en même temps appuyer sur R2 pour mettre votre équipement. Parce que regardez, si jamais vous le faites trop près, enfin avance-toi un peu Overkill. Voilà, en fait vous donnez un coup de cut. Donc en fait c'est juste pour pas tuer votre... Donc là j'ai mis santé d'eau pour pas qu'il crève. Excuse-moi. En fait sinon vous quittez votre coéquipier, ça risque de l'énerver et il risque de buter votre insertion tactique, donc qui est posé sur l'avion. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire ça avec des gens qui sont assez cons. Comme je suis en train de le faire, n'est-ce pas? Enfin bref. Non, je vous insulte pas les mecs, vous inquiétez pas. Donc petite précision quand même, peut-être que pour mon anniversaire, donc je l'ai déjà précisé dans mes vidéos, mais pour les gens qui ne l'auraient pas vu, pour mon anniversaire, j'aurai peut-être, donc qui se passe le 30 septembre, j'aurai peut-être un câble HDPVR, donc ce qui rendrait les parties beaucoup mieux. Donc quand je ferai des parties avec des potes qui ont un micro, ce serait vraiment excellent. Donc si ma chaîne marche, ben je le demanderai. Donc est-ce que tu peux me tuer s'il te plaît Overkill? Merci. Donc je vais vite vous montrer comment monter là-haut là. Et après donc voilà, ce sera la fin de la vidéo. Je ferai quand même un beau truc. Alors pour monter là-haut là, déjà posez votre insert ici au cas où vous feriez buter. Je vais vous montrer. Il faut sauter en fait sur un petit mur invisible qui se trouve juste là. Enfin non, sur un petit bout du réacteur. Donc vraiment c'est assez compliqué à faire. Enfin après il faut avoir la technique. Et je n'ai pas cette technique comme par hasard. Bon bah vous savez quoi, laissez tomber, hein. De toute façon vous savez comment faire. Après donc pour les gens qui, quand ils font le knife lunge, ils arrivent sur cette petite porte. Donc au lieu d'essayer de, comme un con, monter là, bon ça marche bien sûr, ça marche. Donc voilà, ça marche. Et aussi sinon la technique qui est plus fiable, c'est vous mettez là et vous faites que courir jusqu'au bout. Vous bougez plus, vous courez, voilà, vous montez là sur le réacteur et vous sautez là. Donc voilà, bah, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment monter sur l'avion de terminal. Mais avant de se quitter, j'aimerais vite vous montrer un petit spot infecté. Donc déjà qui est de monter sur l'aile, donc par là-bas. Donc je vais pas vous montrer tout de suite, un peu trop la flemme. Mais en fait, dès que vous êtes sur l'aile, avec des potes par exemple, et en fait vous pouvez faire semblant, déjà dès que vous avez fait votre bob, vous faites semblant de vous casser. Et en fait, au lieu de vous casser, donc tous les infectés vont venir par là, vous cherchez. En fait vous mettez vite fait ici là. Et là en fait, ils sauront pas du tout où vous êtes et du coup ils seront paumés dans toute la map. Et l'idée en fait, si vous avez un radar portatif, vous mettez par là hein. Et du coup, dès que vous voyez qu'il y en a plus, vous vous cassez. Et alors soit vous revenez camper, donc soit là, c'est bien de camper ici je trouve. Ah merde, excuse-moi mais Nicolette. Soit vous allez camper là-bas, là-dessus, donc je vais vous montrer comment on fait vite fait après. Soit, ou sinon, il y a une autre très très bonne cachette sur terminal, donc qui est celle-ci, je vais vite vous la montrer. Vous montez là, hop, vous allez là, vous sautez. Et en fait vous mettez là derrière, là. Et là franchement, si les ennemis ne savent pas où vous êtes, genre vous mettez là, et bim. Voilà. Donc je viens de tuer ma Nicolette, hein. Voilà, c'est fait. Coucou Overkill. Oh, oh, je suis le chef de la vidéo. Tu ne me tues pas. Moi je te tue, mais toi tu ne me tues pas. Et un autre dernier spot, donc je vous montre vite fait. C'est entre les ascenseurs. Donc faites gaffe parce que lui il est vraiment très connu. Mais c'est bien quand même. Bon, puisque les infectés ils arriveront, hop, vu qu'il y a un seul chemin, vous pouvez avoir le max de précision. Après quand même faites attention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équerres, donc il peut vraiment foutre des beaux commandos. Et donc ben on va terminer sur le spot que je vous ai promis, donc que je vous ai dit il y a même pas 5 secondes, sur lequel il est Overkill. Donc Overkill ne bouge pas s'il te plaît, je vais essayer de faire une belle killcam. Oh le bâtard.
Alors, on va essayer. Bon, bah, je suis une merde. Vas-y, fais une belle kill cam, mamie. Allez, mamie, on est tous avec toi. Fais une belle kill cam. Magnifique. Magnifique kill cam. Magnifique kill cam de mamie Colette. On peut l'applaudir, je pense. Voilà, exactement, comme il me dit dans le micro, je suis mort comme une merde. Ah, ok, d'accord, c'était un epic fail. Vive la kill cam. Bon, bref. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, enfin, si elle vous a aidé à monter sur l'avion en partie privée, à faire des trickshots et tout, tu mets un pouce bleu. Enfin, même si elle t'a pas plu, tu mets quand même un pouce bleu, hein, pas un pouce rouge, parce que c'est méchant de mettre des pouces rouges. Tu t'abonnes à ma chaîne aussi, ce serait sympa. Tu regardes mes autres vidéos, et t'aimes mes autres vidéos, et tu vas voir la chaîne de El Diablo 3, qui est un ami à moi. Mamie et Overkill, avez-vous des chaînes YouTube? Pas encore pour Overkill et pour Mamie. Et pour Mamie. Mamie, as-tu une chaîne YouTube? Bon, bah Mamie a une chaîne YouTube mais il n'a pas de vidéo. Donc donne-moi quand même ton pseudo. Comme ça les gens pourront aller s'abonner. D'accord. Il en a une mais il n'a pas de vidéo. Donc il dit que c'est pas la peine de vous la passer. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Bye.